Les amis, si vous aimez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie. Ciao! Il ramasse tout et tout, putain. J'ai envie d'aller le faire. Viens, on félicite après. On va voir, attends. Qu'est-ce qu'il fait? Oh putain. Allez. Ah, c'est une blague. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres. C'est pas ma faute à moi. Moi, Prolika. Bon, les amis, salut. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est mercredi et c'est l'heure de votre vidéo du mercredi à 18h comme d'habitude. Donc, merci d'être là comme vous l'êtes. Donc, voilà, les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui a été tournée il y a quelques années. Donc, bien avant le confinement, bien avant que je sois sur YouTube. À l'époque, on était sur Facebook. Et on est tombé sur une personne qui jette ses déchets à la mer. Donc, je vous laisse regarder la vidéo dans son intégralité. Vous verrez que cette personne-là, nous l'avons attrapée. Mais je ne vais pas tout vous dire, sinon ça serait du spoil. Donc, on se retrouve à la fin pour une petite conclusion. Et bon visionnage à tous. À tout à l'heure. Ciao! Mais ramasser des déchets, c'est bien. Tant mieux. Voilà. Bah, tu vois, pour une fois, gros, on va faire une vidéo qu'on sortira pas sur Facebook. On a passé une journée. C'est pas grave, gros. On fera une autre chose. Comme d'hab, quelque chose à dire. C'est pas grave. Il y a d'autres choses, hein. Tu sais à faire. Mais il ramasse tout et tout, putain. J'ai envie d'aller le faire. Viens, il va le féliciter après. On va voir, attends. Qu'est-ce qu'il fait? Tu parles trop vite, mon gars. Oh putain. Allez. Ah, c'est une blague. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On y va? Cadeau. On y va? Cadeau, ouais. Cadeau. Laisse-le prendre ses affaires. Il y a une poubelle juste à côté en plus, c'est un foutage de gueule. Descendre, prendre le sac. Ouais, il y a une poubelle juste à côté. Oh, tu sais quoi, c'était plus difficile de jeter le sac dans l'eau que de le jeter à la poubelle. C'était plus compliqué de le jeter dans l'eau que de le jeter. Tu vois? Oh, c'est un truc de fou. Un peu de nourriture, un peu de canette, un peu de papier aluminium. Voilà. Il a fait sa journée ici, le mec, tranquille. C'est bon pour vous? Qu'est-ce qu'on fait? On intervient? Salut, bonsoir, bonsoir. Salut, comment vas-tu? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Reste pas, sois pas agressif, ne commence pas à faire des... Je t'explique, on t'a vu jeter ça à l'eau, on parle sérieux. Ouais. On n'est pas venu pour te frapper ou pour quoi que ce soit, on est venu, on t'a vu jeter ça à l'eau. Ouais. C'est toi qui viens de le jeter? Ouais. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Pourquoi tu l'as jeté là alors que tu as une poubelle juste derrière toi? Je l'ai pas vu la poubelle. T'as pas vu la poubelle? Non. Pourquoi moi je l'ai vu, lui il l'a vu, tout le monde la voit sauf toi? Je sais pas. Alors même décalé, tu as pas vu la poubelle, pourquoi tu jettes dans l'eau, pourquoi tu laisses pas ici? Pourquoi tu le prends pas avec toi, tu le jettes pas plus? Enfin, il y a plein de... Il y a plein de possibilités, pourquoi tu jettes dans l'eau? Je sais pas, c'était le plus près. Hein. C'était facile en fait. Ouais, ouais, voilà. Viens, bah, viens, tiens, reprends ça s'il te plaît. Parce que tu vois, lui, quand il commence à respirer comme ça, c'est qu'il va charger. J'ai pas envie qu'il charge parce qu'en plus, j'ai tout menu. Viens, on va là-bas, on va jeter la poubelle ensemble. Viens. Ouais. Viens. Pourquoi tu fais des trucs comme ça? Faut pas faire ça. Tu réalises que c'est pas bien ou tu t'en bats les couilles? La vérité, je m'en bats les couilles. T'en mets un peu les couilles. C'est bon, je l'ai jeté. C'est bien, il a jeté, bravo. Il y a une caméra qui te filme là-bas en fait. J'ai oublié de te le dire, excuse-moi. Tu seras flouté, t'inquiète pas. Tu te demandes ce que je fais avec cette pelle. Je vais pas te la mettre là où tu penses. N'aie pas peur. Alors, une pelle, ça sert à quoi? Bah, creuser. À creuser. Ici, il y a du sable. Qu'est-ce qu'ils font les enfants quand il faut leur apprendre les bonnes manières? Qu'est-ce qu'on leur fait faire? On les punit. Qu'est-ce qu'ils font les enfants à la plage? Bah, je sais pas. Ils font des châteaux de sable, ils font des trucs. Ce que je te propose. Tu as jeté le sac et tout avec plein de merde. Moi, ce que je te propose, c'est pas de te faire du mal ou quoi que ce soit. Juste, je vais te demander de creuser un trou vers là où tu veux. Tu fais un trou de ta taille, on va te mettre dedans et on va te laisser dedans. Si tu vois un inconvénient, on éteint la caméra et on règle ça comme des hommes. Tu es sérieux? Je me sens pas. Tu préfères qu'on règle ça comme des hommes? Je sais pas. Tu préfères qu'on règle ça comme des hommes? Ah, c'est bon, je vais creuser. C'est bon? Tu creuses bien? Tu as déjà fait les chantiers et tout? Non. Tu as déjà fait le château de sable? Bon, on va t'apprendre, viens, on va faire ensemble. Tu étais où? Tu étais là? C'est quoi? Moi, je te propose de le faire pas loin de la poubelle, parce que comme tu as une déchet à toi-même, je pense que vers la poubelle, au moins, tu es... Allez, viens, on creuse là, ici, comme ça. Allez, vas-y, on creuse. Il est meilleur encore. Ah, il a pas de force. Non, mais en plus, quand on fait le voyou, oh, t'as quel âge? 17, 18? T'as quel âge? 18. 18.
quand on fait le voyou, faut pouvoir l'assumer. Allez, c'est bon, vas-y, continue à creuser, gros, s'il te plaît. Attends, moi. Bah, c'est bien. Ça fait combien de temps qu'il y est, là, ce mastre? Allez, vas-y, gros. Oh là là. L'autre qui est en train de s'étouffer. Il s'est mis torse nu et tout. Montre-nous tes muscles un peu, vas-y. Bah, ça, c'est du muscle. Ça, c'est du muscle. C'est quoi ton prénom? Qu'est-ce que tu veux plus il me répondre pas, en plus, ce mastre. C'est quoi ton prénom? Il a perdu la voix. Yves. Même le prénom, il est vilain. Désolé pour tous ceux qui s'appellent Yves. Je suis désolé, les gars. Désolé, les Yves. il a 18 ans, il s'appelle Yves, gros. Il y a un problème. Ah, c'est bon. Ça suffit, là, non? C'est trop long, allez, vas-y. Allez, mastre. Allez, vas-y, gros. Enlever le short avant. Tu veux quoi? J'ai pas compris. Enlever le short. En quoi? Enlever le short. Voilà. Allez. Vas-y. Donne, je me régale, moi. Ouais? Voilà, Yves. C'est bon? Avec plaisir, hein, je te dis la vérité. Voilà, pour tous ceux qui veulent le voir, ceux qui regardent la vidéo Capitaine Marseille, vous venez à la Pointe Rouge, et un mec comme ça, s'il est encore là quand vous regardez la vidéo, vous viendrez le voir. Surtout moi de là. Yves, attends, on arrive. Ça fait un moment qu'on est là, qu'on cherche depuis tout à l'heure, qu'on regarde les gens, machin, là, qu'on filme. Là, on est en fin de journée, quelle heure il est, tu vois, c'est un peu tard. On a cherché, on a vu ce mec-là, c'est tombé sous nos yeux. Quand j'ai vu ranger, je pensais qu'il allait tout jeter à la poubelle. Ouais, le mec, il a même pas jeté à la poubelle. Donc, à cause de ça, moi, c'est une prise de conscience que je vais faire aux gens. Parce que nous, en fait, on n'est pas là pour faire du mal. C'est juste qu'on veut faire prendre conscience aux gens. Quand vous jetez vos déchets dans l'eau, quand vous jetez vos déchets même sur le sable, qu'après ça vole avec le vent, il y en a des milliers qui se coupent avec les canettes. Enfin, je veux dire, ça pollue la nature. C'est deux ans. Quand vous jetez un truc, non seulement vous tuez des animaux, et en plus, vous tuez la planète. Voilà, donc là, on va laisser Yves. Ça t'a plu cette expérience ou pas? Bon, bah écoutez, moi je sais pas. Yves, on s'arrache nous, hein. Oh, lâchez-moi. Ciao Yves, à la prochaine. Et ne croyez pas qu'on va le déterrer, on s'arrache pour de bon. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, comme vous avez pu le constater. Bon, la personne, elle s'est enterrée dans le sable, hein. Mais bon, il n'y a pas eu de danger, c'est du sable, hein. On lui a laissé la tête dehors. Enfin, c'est juste vraiment une leçon pour lui faire comprendre que les déchets, ben, ça peut faire du mal à la planète, aux animaux et même à nous-mêmes. Donc respectons l'endroit où nous vivons. Sachez que les vidéos aussi vont reprendre. On a commencé à reprendre les tournages la semaine dernière. Donc là, on va recommencer à sortir des nouveautés. Et comme vous l'avez remarqué, on fait de plus en plus de vidéos chaque semaine. Pour porter notre marque de vêtements, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.futuratech.com. Il y en a pour tous les goûts, les femmes, les enfants, les grands, les petits, les minces et un peu plus fort. Vraiment, les frais de port sont offerts et les paiements sont 100% safe. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Le message que je voulais passer en faisant cette vidéo, c'est de vous dire de ne pas jeter vos déchets dehors, encore moins à la mer. Sachez que le moindre mégot que vous jetez, il peut finir à la mer, il peut finir dans le nez d'une tortue, ou il peut finir un sachet plastique, ça peut étouffer n'importe quel animal, ça peut tuer les poissons, ça peut tuer les oiseaux, ça tue la planète. Arrêtons de jeter par terre. Quand vous voyez quelque chose, même ramassez-le, jetez-le à la poubelle. Ceux qui font ça, vous n'avez aucun respect, et moi des fois j'ai envie de vous baffer. Donc respectez l'environnement, c'est aussi vous respectez vous. Donc surtout, le message que je voulais faire passer, c'est ça: ne jetez rien par terre. En attendant, on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo, hein. On sort des vidéos dimanche et le mercredi. Portez-vous bien, faites attention à vous. Et surtout, 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 abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je sais pas où il est le bouton, mais abonnez-vous en masse, équipe, si vous kiffez ce qu'on fait et pour qu'on continue à le faire. Nous, ça nous soutient et ça nous fait plaisir, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous invite à nous rejoindre sur notre compte de Snapchat, un nouveau compte qui s'affiche à l'écran maintenant parce que l'autre a eu quelques soucis, il n'a pas été piraté, il a encore d'activité, mais on va le supprimer. À très vite pour une nouvelle vidéo, c'était Kamoff. Ciao.